Alors là, pour exemple, je ne sais pas si on le voit bien. La pièce de base qui est donnée par le kit, elle est là. Et moi, ce que je fais à la perceuse, c'est que je perce la dorade pour qu'on ait vraiment l'impression de la dorade creuse, hein. Comme c'était le cas en réalité. Il y a même une petite grille devant. Alors, je ne pousserai pas le vis jusque-là sur ce modèle, mais sur le Trumpeter, je l'ai fait, puisqu'elles sont fournies avec sur le kit K1. Mais voilà, entre ça, qui est vraiment basique, et l'autre qui est percé, alors il faut prendre un foret de 2 mm. Pour réussir au niveau échelle, parce que je suis assez attaché à la réalité quand même et à l'historique. Et là, on a vraiment les épaisseurs et puis les mensurations correctes du Titanic. Voilà, donc à droite, le modèle basique et à gauche, légèrement amélioré, donc la dorade creusée. Sur Minicraft, elle est creusée, mais pas très bien, donc il faut y repasser aussi. L'Académie, c'est pas du tout creusé. Donc vous pointez le milieu avec le foret et tout doucement, à une petite vitesse, vous percez, ça reste du plastique, c'est fragile, hein. Et puis voilà, là j'en ai fait une autre qui est terminée. Voilà, un peu sali à l'intérieur pour faire comme en vrai. Voilà!